Thank you.
La semaine dernière, la Thaïlande a lancé officiellement une campagne de fabrication artificielle de pluie afin de lutter contre la sécheresse et les inondations. Cette pratique n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, pour les JO, la Chine a utilisé cette technique pour éviter la pluie. Eh bien, nous allons faire un point sur une technique qui est assez controversée. Et nous avons avec nous ce soir Monsieur Jean-François Berthoumieux, directeur de l'association climatologique de la Moyenne Garonne. Monsieur Berthoumieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur la chaîne Météo. Alors, vous avez déjà utilisé cette technique pour limiter les risques de grêle. Vous allez nous en parler. En quoi consiste exactement cette technique ? Alors, déjà, par rapport entre la Chine et la Thaïlande, il y a une grande différence, déjà au niveau climatique, mais également au niveau des technologies qui sont employées. La Thaïlande utilise du sel broyé qu'elle lance avec des avions à l'intérieur des nuages dans l'idée que ce sel va agglomérer plus rapidement l'eau pour en faire des gouttelettes qui vont précipiter au sol, alors que la Chine utilise des noyaux de congélation, elle apporte des noyaux de congélation, des cristaux qui vont servir à faire des cristaux de glace. Donc déjà, ça c'est peut-être un premier point. Les cristaux de glace avec de l'iodure d'argent, c'est une technologie qui a été développée dans les années 50 et qui est encore utilisée en pas mal de régions. Et il y a la technologie un peu plus nouvelle, celle basée sur les sels hygroscopiques que nous avons utilisées et testées durant les années 90 et début 2000. Alors visiblement, cette technique est assez controversée, notamment en France. Est-ce qu'on l'utilise encore ? Au niveau controverse, c'est difficile de dire controversé. Il y a la technologie avec les iodures d'argent qui continue à être utilisée dans beaucoup de départements en France pour lutter contre la grêle. Au niveau des sels hygroscopiques qui servaient à surtout, dont l'objectif est d'accroître le rendement de précipitation, accélérer le processus de pluie au détriment de celui de la grêle. C'est un travail de recherche qui a été mené dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et puis, les filets paragrêles se sont beaucoup largement développés. On les a soutenus pour protéger efficacement des cultures. Et du coup, les premiers demandeurs, qui étaient les producteurs de pommes notamment, n'ont moins de besoins. Et c'est vrai, la controverse était avec les trufficulteurs du Lot qui estimaient que la pluie ne leur arrivait pas à cause des producteurs de pommes. Et est-ce que vous pensez qu'on peut toujours utiliser cette technique, pourquoi pas dans les prochains mois, si jamais nous avons un été très chaud ? J'en suis persuadé. Je pense qu'il faut au contraire imaginer et avoir des moyens pour faire un travail scientifique dans ce domaine pour que justement les controverses s'appuient sur des résultats scientifiques, sur des mesures radar, sur des mesures par avion à l'intérieur. Et sachez que beaucoup de pays qui sont, eux, dans des conditions de ressources en eau bien moindres que les nôtres, continuent à travailler dans ce domaine, notamment en Afrique, en Inde et donc la Thaïlande. Et justement, vous parlez de recherche. Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre ou une nouvelle technique peut-être ? Je pense qu'aujourd'hui, la recherche s'est tournée vers la pollution des aérosols qui viennent naturellement, artificiellement, on pourrait dire, des villes. Et plusieurs chercheurs, dont en Israël, mais aussi aux États-Unis et en Afrique du Sud, ont pu démontrer que ces polluants, qui sont des fines particules qui provoquent l'asthme chez nous, font qu'il y a moins de rendement de précipitation dans les nuages qui passent au-dessus et qu'ils pourraient être amenés à réduire cet effet de pollution en apportant des noyaux naturels comme ils existent sur l'océan avec, par exemple, des calciums, des chlorures de calcium ou de sodium. Donc, une dernière question. La technique dont je parlais, utilisée par la Thaïlande, est une technique qui fonctionne. Moi, j'ai rencontré les Thaïlandais en 1999. Ils nous ont montré les travaux de recherche qu'ils avaient accomplis avec des chercheurs américains et avaient pu montrer qu'effectivement, durant les heures suivant un lieu de traitement, il y avait au niveau des rendements radars plus de précipitations. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette méthode n'a pas pu être renouvelée dans d'autres conditions, notamment au Texas où des chercheurs ont essayé de la reproduire, et qu'elle coûte énormément cher puisqu'elle demande à transporter en altitude des tonnes et des tonnes de sel, ce qui est vraiment difficile, alors que les technologies que nous avions utilisées, basées sur des travaux de chercheurs,